Bullseye. Aujourd'hui, on va tester un système un peu différent, donc on va être divisé en de plus petites escouades qui seront sous les ordres du commandant Tsukisa ici présent. On est dans la merde! Salut mec! C'est lui qui va micro-gérer les escouades, en fait, vous donner les ordres, les instructions, la marche à suivre, la direction, enfin tout ça, tout ça. Donc il fera son briefing après quand j'aurai fait le mien, en fait, donc il vous expliquera un peu ce qu'il veut, tout ça, donc ce sera lui le chef. Donc moi je vais faire un petit résumé rapide, en gros. Donc nous commençons. Sur l'île, juste ici, il y a des bateaux en contrebas, avec une escouade d'ingénieurs qui vous attend. Donc le but, ce sera de débarquer et de sécuriser la plage, qui est aux mains des CSAT, de l'autre côté de ce petit lac, de ce petit océan. Vous sécurisez la plage, vous attendez que les ingénieurs débarquent, et vous vous mettrez en route pour trouver la fameuse bombe nucléaire qui est stockée quelque part sur l'île. Donc, d'après nos infos, elle se trouve dans des ruines d'un château situé juste ici, en hauteur. Là, c'est le commandant qui décidera, moi j'ai rien à dire. La zone est truffée d'ennemis. Non, on tire pas. Enfin, c'est pas vraiment une bombe nucléaire, en fait, vous trouvez un container avec plein de pièces dedans, donc c'est pour faire genre qu'il y a quelque chose et qu'elle est remplie. Enfin, voilà, il n'y a pas de bombe nucléaire encore, c'est dommage. Ce sera un peu pété quand même. Ouais. Donc vous sécurisez l'issue de la bombe, les ingénieurs arrivent et évacuation en ghost talk. Alors cependant, donc il y a des patrouilles dans toute la zone, des checkpoints, etc. Un peu partout, sur les routes, dans les champs, des patrouilles un peu partout. Et d'après nos infos, l'officier en charge de la zone et de la bombe donc va arriver bientôt en hélicoptère dans un camp situé juste ici. Dans 5 ans. Ta gueule. Et donc, si possible, il faudra capturer cet officier également. Dès que j'ai d'informations et que je vois l'hélicoptère, enfin que nos drones voient l'hélicoptère passer, j'informerai votre commandant puis il vous donnera les directives. Bon, en gros, ça c'est pour le petit briefing. Est-ce qu'il y a des questions avant que le commandant fasse le sien ? Si on devrait jeter dans les jambes. Est-ce qu'on sait combien il y a d'ennemis sur la plage approximativement? S'ils ont des véhicules, s'ils sont retranchés et qu'ils nous attendent bien comme il faut avec des véhicules, des tanks et tout le tintouin? Ils savent pas qu'on est là, il y a des patrouilles le long des côtes, donc ça devrait pas vous poser trop de soucis, donc vous pourrez débarquer plus ou moins sans vous se faire tirer dessus, on va dire. On peut leur piquer leur véhicule du coup. Vous pourrez leur piquer leur véhicule du coup, mais ça c'est à votre commandant de décider. C'est lui aussi qui décidera si vous opérez silencieusement ou pas. Précision par rapport à ça d'ailleurs, les ennemis sont largement en surnombre. Donc essayez de jouer au niveau de leur armement, ils ont quoi comme type d'armement? Armement 6-7 classique, lance-roquettes, mitrailleuse, fusil d'assaut, véhicule blindé. C'est les forces spéciales quoi. Non, c'est les forces régulières. Ok, je te laisse briefer sur la marche à suivre. Ouais. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer à dire tant qu'on ne sait pas où se trouve ton ennemi. On va tous débarquer à la plage, on va essayer de trouver un couvert assez vite. Puis ensuite, on essaie d'improviser pour voir si on va plus aller sur le site de la bombe ou plus aller capturer 6-7. Mais tout dépendra de quand est-ce que l'officier arrivera sur place. Sinon, il va falloir update les points assez rapidement chez des squads, soldats, etc. C'est-à-dire en chat global, vous mettez les points à chaque fois que vous êtes sur la carte parce que j'ai pas d'information de là où vous vous trouvez. Donc vous updatez très souvent, dès que vous vous posez, vous updatez les points sur la carte chez des squads ou n'importe qui. Et si vous trouvez des ennemis aussi, vous le marquez sur la carte. J'ai besoin de plus d'informations possibles, sinon je peux pas vous dire quoi faire. Question, plutôt pour Souké, point de vue médic, etc. Est-ce que chaque médic s'occupe de son escouade ou on fait un poste derrière et où on fait une petite infirmerie Chaque médic s'occupe de son escouade. Si jamais il y a besoin de gens d'autres escouades, je le dirais. Enfin, ok. Voilà. Enfin, si par exemple il y a un médecin occupé, on peut quand même aller aider l'autre escouade. Oui, après, mais avant, s'ils sont à côté, pour les aider, mais globalement, s'ils sont un peu loin, vous demandez d'abord quoi. Bien reçu. Si ça implique que vous quittiez votre poste, vous demandez avant. D'accord. Voilà. Ok.
Kylian, c'est juste quoi la fréquence de l'escouade? Merci. Bah, c'est fait, non? Je suis infirmier là. D'équipage. Blackheart, est-ce qu'on a genre 3 vies ou 6 vies sur le 6, PBO? 6, ouais, ok. C'est pour savoir comme ça. Hein, je... Et au pire, D'ailleurs, prenez l'infirmier si parce qu'il vous n'a n'en pas avez voulu plus, mettre vous 5 ferez fois. des revives BTS si jamais vous galérez trop. C'est Parce que si bizarre, vous mais. jouez safe, techniquement, vous serez pas tant à C'est pas terre que ça, hein, mais faites bien gaffe. C'est quand même lui, c'est Oui. Mickaël. On utilise les silencieux ou pas? Oui, silencieux. Au début, ça sera. Alpé. Vous engagez pas Ah, voilà, c'est tant que ça. vous devez repérer personne. C'est pas d'engagement volonté au début. Vous serez le plus discret possible, mais je pense que ça peut dégénérer assez rapidement, donc. Enfin, être sur nos gardes, mais. Si on est silencieux, autant les utiliser. Et autant être plus discret possible aussi. Voilà. Est-ce qu'ils ont des véhicules? Leur blindé. Ouais. Oui, sur Ouais. force régulière, ils ont sûrement des véhicules. Ifrit, Elle a piscine. chercher C'est les quoi? filles à la piscine. Ifrit, camion de transport. Ah, Toutes ces parce que conneries. franchement, je comprends pas là. Elle a dit que Eh, dans Kokiri. la suite, on pourrait Oui, se c'est ça, faire elle prendrait quelques des requêtes Ah, plus en plus. intéressant. Juste la Oui. carte graphique qui marchait plus, c'est pas lancé. Le micro, Mickaël. Allô? Oui, on t'entendait en fait. Tiens, à 5 heures, il y a piscine. Mickaël, il va pisser. Ce que j'ai Je entendu. pense aussi. Ce que j'ai entendu. Pour avancer, ça sera simple. On se mettra sur la formation habituelle, donc on sera 3 devant et 2 derrière. Putain, il me fait casser couille. Ça... Ah, ça pète le cul, la radio, c'est abusé, attends. Tu sais que tu peux baisser le volume, Kylian. Comment on fait? Alors tu vas dans Ah, Alpé et t'as baissé un peu oui, c'est bon, merci. Il était à près. Et 100%, ouais, ça après faisait tu peux hyper mettre mal. en stéréo pour avoir l'oreille Oui, c'est gauche. ce que je vais faire. Attends, je vais mettre en oreille gauche parce que. Voilà. Donc, je disais, les deux fusiliers seront derrière. Donc, Bad et Desnos sera à l'arrière gauche, Bad à l'arrière droit. Sur ma gauche, il y aura Zidrou et sur ma droite, il y aura Rap de Machine Gunner. Vous avez tous compris votre formation? Ouais, monsieur. C'est bon. Bah, je suis monté avec un bateau. Allez, gars, c'est parti. C'est parti. Ouais. Ils ont plus de place dans les autres. Déchargez. Allons-y, les Allez, allez, amis. allez, allez. C'est parti, Vas-y, let's go. laisse passer parce que. France! Dis ce qui est passé en deuxième. Hein. Je parie que vous arrivez deuxième. Okay. 10 dollars. Est-ce que ça marche le mode tir quand vous êtes sur les côtés? Ouais, ça. Ah non, pas pour les coups dessus. Non, pas sur les côtés, ouais. Sinon, sur le devant, ça marche. Hein. Voilà, je vais. Ok, on va être la première escouade à sortir. Et non, on communique avec un autre membre de notre escouade qui est sur Ah, une autre voilà. embarcation. Ah, le commandant n'est pas Ok, là. attention. Allez, Attends, pose. ouais, pose-nous bien hein, parce que là on est un peu loin du bord encore. Non, on est loin. Ouais, vas-y, crache-nous carrément. Crache-nous, crache-nous. Vas-y, avance. Ok, c'est bon, on y va. Allez, parti. Vérifiez tous les côtés, les gars. À droite, à gauche. Ok, Echo 2, on a débarqué. Attends 2 secondes, je vais régler la fréquence parce que là. Echo 3 se positionne derrière un petit muret. Est-ce qu'on est complet? Bien reçu. Echo 2, avancez jusqu'au bâtiment qu'on voit sur la carte. Reçu, on est en mouvement. Echo 2, on se met en mouvement sur la gauche, maison principale. À 100 mètres en face de nous. Donc n'oubliez pas la formation que je vous ai dit au briefing, hein, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite. Ok, Echo 3 et Echo 1, écoutez-moi, longez sur le flanc droit. Est-ce que vous aussi vous avez une paire de FPS là? Oui, non, t'inquiète, c'est normal, je pense. Tu veux qu'on Ça longe le flanc droit de la n'augure maison? rien de bon. J'ai une montée, c'est bizarre. Non, encore plus loin, vraiment longer le flanc droit du côté de la plage. Ok, on reste à la maison, on se met tous Sortez à à la gauche maison. là et avancez tout droit. Ouais, des civils, faites gaffe, y a des... présence civile, je signale ça, sécurisez la zone. Et de Echo 2 à toutes les escouades, on a repéré des civils sur la zone, faut faire attention. Echo 1 et Echo 3, je vous ai mis un point sur la Et ça, carte c'est de là où vous sécurisé devez aller. le Terminé. patrouille et tout. Bien reçu, Echo 2
deux secondes, mais à terre, mec. Ça va vraiment. Il y a une voiture de l'autre côté de la maison. Une voiture civile. Non. Ça va. Écoutez, est-ce que vous voyez d'autres couverts devant vous? Bien reçu. Kylian? Oui. Vers le sud, plein sud, il y a un camp sur. Plein sud, attends, bouge pas, plein sud. Il y a ouais. Un camp sur la montagne. Ouais, je vois. Je crois qu'il y a un mec au-dessus, non? Attends, deux secondes. J'ai pas de contact, moi, personnellement. Où ça? Plein sud, direction plein sud. Plein sud, sur la montagne, à environ. On voit rien pour l'instant. Là où on était. Azimut 173, les gars. Mais que vous êtes arrivé au point de. Oui, sur la carte. Ok, attends. Oh, mais si, il peut trop se couvrir ici. Ici, je vois rien après. Je vais marquer notre position sur la carte. Mais globalement, je crois que c'est toi là, qui est là. Il n'y a pas de couvert ici, c'est chiant. Bon, vous allez avancer tout droit, mais du côté, de l'autre côté de la colline là-bas. Vous voyez la colline qui est devant vous? Ouais, ouais. C'est le commandant de propos, ça. D'accord. Écho du général qui est parti. Écho 2 en mouvement sur la droite de la maison. En garde d'information, les gars, oubliez pas. Extrêmement important. Pour commandement, attention à ce qu'il survole pas votre zone et qu'il vous repère fermé. Tout le monde à couvert dans un buisson, mettez-vous à couvert dans un buisson aux alentours. J'ai du mal à entendre. Souké était là. Non, il est plus là. Attends. On est en position. Attention. Je crois que tu l'as allongé le fond droit, tout droit. Jusqu'à ce que vous trouvez un couvert terminé. Deux secondes, je contacte les buts. Oui, continue à avancer tout en restant bien couvert par rapport au flanc gauche terminé. Reçu et codé en mouvement. Ok, on se remet en mouvement, les gars. Vous voyez des buissons verts en face de nous, on va tous au buisson vert. Ici, Echo 3, on a une bonne position là, on est caché derrière un petit muret. Mets-toi de points sur la carte. Ok, on va s'arrêter au buisson vert, ouais. Tout le monde au buisson vert, au buisson vert, vite. Explosion, est-ce que vous savez tout ça venir? Ça vient pas de derrière sur la plage. Affirmatif, ici Echo 2, des coups de feu viennent de la plage juste derrière nous. Nos bateaux ont dû se faire repérer, donc... Les ingénieurs ont dû sortir du pas du coup, mettez-vous à couvert, lui tirez pas dessus. C'est un hélicoptère ennemi ça, c'est un orca. Ouais. Et du coup, tu vas avancer. Putain, c'est bordé en radio longue portée. C'est qui partout. C'est qui qui a des coups? Je sais pas. Cherkrim, ok. Deux pertes, deux toujours en vie. Est-ce que vous avez un visuel sur n'importe quoi qui est en face de vous? Faites gaffe, surveillez bien le flanc droit, il devrait y avoir Echo 3 qui devrait être sur notre flanc droit normalement. Compris. Bien pris. De Echo 2 à Echo 3, vous devriez nous voir normalement, on est en parallèle de la maison que vous avez capturée tout à l'heure. Ici Zidrou, HP Squad, contact où l'orca a atterri terminé. Ok, bien reçu, je transmets. On se fige. Je transmets, oui, attends, je disais, pardon. Vous pouvez mettre votre position à jour, s'il vous plaît? Ok, Echo 2, on est sur votre droite, là. Ok, bien reçu. Suki, on a détecté des mouvements dans le camp hostile situé au sud. Bien reçu, ne les engagez pas tant que... Ils ne vous ont pas tiré dessus. Ok, bien reçu. On continue de progresser, mais vers quelle direction? Si vous
fini avec les unités ennemies, progressez. Il y avait une garde avant devant. J'ai la team Echo 3 à... QG, vous pouvez répéter, terminer, j'ai pas entendu. Echo 2, Echo 3, je vous ai même pas sur la carte de là où vous devez avancer. Ok, on va se mettre en position, on doit avancer à un point. Tout le monde est prêt? On doit avancer à 240 mètres en direction du sud, sud-sud-ouest, à 240 mètres. Ouais, exactement, juste en face de nous. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Commande, faire attention quand même là, il y a des mitrailleuses sur le château en face. Bon, on va continuer à avancer. Là, il y a une bagnole. Ah non, c'est bon, c'est... Ok, tout le monde s'arrête ici, à contre fin d'Acoin. On va spotter si... Ok, parfait, ici c'est une bonne position. Echo 2, on marque notre position sur la carte, on est à contrefend d'une colline, on a les deux routes en visuel, le campement de droite et le château qui est sur notre droite. On doit encore... En fait, on doit avancer sur la route... Putain, la vache, il nous demande carrément... Ouais, bah il nous demande d'aller sur la route qui est juste en face de nous, en fait. Par contre, okay, merci. Il y a deux camions dans le hangar. Ah ouais? Deux camions armés ou non armés? Non, des Amac. Ok, attends. Dans la maison, il y avait un connard à l'étage, mais je l'ai eu. T'as eu le connard qui m'a eu qui était derrière? Ouais, parce que je pensais que c'était sûrement au contact de chez lui. Ok, sécurisez la zone, sécurisez. Je vais transmettre. Il y a deux Amac dans le garage. Ici Echo 2, on vient de sécuriser le hangar juste à gauche des ruines. Il y a deux Amac qui se trouvent dans le hangar, que fait-on avec? Attends, t'as encore perdu du son. On les laisse, qui a reçu, on est en train de les laisser. Est-ce que tu les prends, on sera repéré, si on le fait exploser, on sera repéré de toute façon. Donc, là, c'est une transfusion sanguine qu'il faudrait, le temps que j'ai perdu limite. Ouais. Sinon, ouais, vous pouvez limite. Toujours flou. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Bah, fais gaffe, parce que. La prochaine fois que tu seras au sol, je pourrais pas trop t'inviter de morphine. Ça marche. Est-ce que les Amac dans le hangar, ils possèdent des munitions qu'on veut ou autre truc du genre? Je sais pas, faut les regarder. Tous dans le hangar. Allez, on se barre dans le hangar. Alors, il y a un hangar, les gars. Echo 1 est tout bien couvert. Les Amac et les premiers secours. Ok, bon, attends. Je suis ici de scouter. Ouais, bon, les premiers secours, après ça se transforme en bandage, quoi. Donc, ok. Bon, bah, c'est bon. Non, y'a rien. Ok. T'as, par contre, ce connard, il m'a fait changer mon viseur. J'avais un ACO, il m'a fait en RCO, du coup. Ok. Bon. Alors, où est-ce qu'on est là? Deux secondes. Quelqu'un a signalé notre position sur la carte à... Bah, ouais, c'est bon. En fait, on a crêpé presque pas avancé. QG ici, Echo 2, on a avancé sur la position désignée, on a sécurisé. Que fait-on ensuite? Pas santé. Ok, reçu, on prend position et on patiente. Toutes les squads, prenez position à un endroit sécurisé et attendez les ordres du QG. Vous avez bien dit qu'on pouvait progresser vers l'autre bâtiment ou alors passer par la forêt. Non, j'ai donné cet ordre à Echo 3. Echo 2, restez là pour l'instant, je vais vous donner bientôt de nouveaux ordres. Ok, bien reçu, on attend. Ouais, voilà, on peut attendre. Ok, personne n'a besoin de munitions par hasard? Genre 762, non? Non, c'est bon. Personne. Position, attends. Ok, mettez-vous en mode observation. Passez tous en mode observation et vérifiez qu'au loin il n'y a pas des ennemis. Si vous voyez un seul ennemi, vous me prévenez. Compris. Attends, je vais me remettre en RCO du coup, j'ai pas trop le choix. Echo 1, avez-vous découvert du côté de la route à votre gauche? Normalement, ici QG, la drone en repère une grosse force ennemie se dirigeant depuis la porte. Attends, on a une grosse force ennemie qui arrive vers nous. Ici Echo 1, je confirme la frappe. À gauche. Azimut. 685. Impossible. À 685, non. Vas-y, 685, je connais pas désolé. 685. Merci. Ouais. Ok, on se fait tirer dessus, tout le monde riposte. J'adore ça, bien joué. Merde, c'est un lapin ça. Dans ce cas, ils se comprennent pas d'Echo 2. Echo 2, vous confirmez? Ça vient d'où là? Je vois plus rien.
Quelqu'un voit Quelqu'un a un autre visuel sur les forces ennemies? Ouais, plein sud, ça vient de la forêt les gars. Plein sud. Ok, reçu avec rap, on est en position. On est en mouvement pour le prochain bâtiment où il y a... on a marqué notre destination sur la carte. Je suis derrière vous, si vous voulez, sinon je vois plus personne qui descend. Ici Echo 2, on a eu des contacts dans la forêt en direction plein sud. Je pense qu'on les a tous abattus. On est en train de vérifier qu'il n'y ait pas d'autres. Echo 3, mettez-vous vite au couvert, vous avez mieux d'ennemi que Echo 2. Coopérez pour essayer de détruire les ennemis. À droite, sur les autres sections, ça tire, je crois, hein, je vois des impacts de balles. Ouais. Revenez tous à droite, on va apporter soutien aux autres sections. Echo 1, vous avez autorisation de vous déplacer si vous pouvez soutenir les autres escouades. Tout le monde est là? Non, il y en manque encore. Echo 2, on vous a mis notre position sur la carte. Bien reçu, je prends en compte et on arrive. Alors Echo 2, Echo 3, ok. On va en direction de Echo 3, c'est-à-dire ils sont situés sur notre droite. Ah non d'accord, ils sont... Azimut 250 ouest. Notre position est juste en avant de la maison blanche. On se trouve derrière une petite cabane. Ok, bien reçu, on est en train de progresser vers vous, mais on va être très exposé, donc est-ce qu'il y a moyen que vous nous couvriez si jamais on se tirait dessus? Notre position se fait déjà canarder dès qu'on sort de la tête, donc ça risque d'être compliqué. Si vous pouvez patienter, on va essayer de prendre position. Ok, à côté du drone qu'on a vu tout à l'heure. Ok, bien reçu, on attend. D'abord. T'as entendu qu'il est là ? Toutes les squads prennent position à l'endroit où on est, avec le petit secteur contre le mur, contre les rochers, ce que vous voulez. À côté du drone, il y a un mec. Oui, où se situe le drone ? Parce que depuis tout à l'heure, je l'avais pas vu moi ton drone. Le bâtiment derrière les ruines là. Ah, ok, d'accord. Plus sur la gauche là, tu le vois. Fais avancer. Bien reçu, Echo 3, faites attention à votre flanc droit. Echo 1, je vous donne l'ordre d'avancer. Drone ? Il ressemble à quoi le drone? Qu'est-ce que tu viens de faire, rap? C'est un véhicule. Fais avanter. On est sous le feu, on continue d'être sous le feu, on va pas pouvoir tenir très longtemps. Okay. Dans la forêt, y'a des mecs. Putain, vache. Écoute, c'est toi, tu m'as fait trop flipper, Zidrou. Dans la forêt, y'a les mecs qui tirent sur l'autre squad. La forêt qui est en face de nous? Ouais, je n'ai abattu un là. Vous voyez les mecs qui tirent sur l'autre squad? Ah ouais, ouais, je vois. Il est mort. Ouais, celui-là est mort, ouais. Ok, attends, je passe en vision, deux secondes. Echo 3, on prend position dans le bâtiment qui était prévu à l'origine. Absolument. Bien reçu, ici Echo 2, on est sur juste sur votre gauche. Faites attention, on arrive sur la gauche du bâtiment que vous allez prendre. Ok, je vois Polo. Ouais, je vois Polo. On se dirige sur les ruines, tout le monde sur les ruines, en direction des ruines. Yesno et Bail, vous checkez à gauche, Thibaut tu checkes les ruines je crois que c'est bon. Bordéique. Ah bon. Ah oui en effet. Ouais parce qu'en fait depuis tout à l'heure on voit pas du tout le niveau. Préviens-les qu'on arrive sur le bâtiment aussi. Ah mais okay. Ils sont vachement bien avancés, Fingus et tout. Kylian, il y a un barrage sur la route. J'ai un homme mort et normalement les ennemis sont où ça? À l'ouest de notre position. À l'ouest de notre position. Les ennemis à l'ouest? Oui. Mais si. S'ils sont à. Ouais. Mais. Et Cohen, ils sont où en fait? Ils sont à l'est normalement. Non. Parce que normalement, Cohen, nous on est fait en gauche, vous êtes fait en demi-lieu et Cohen est fait en droite. Ah, on les a pas vus hein. Je vais rendre Echo 2 Echo 2 à Echo 1, marquez votre position sur la carte s'il vous plaît. Négatif. Non. Ok, bien pris, terminé. Echo 3, vous êtes où là les gars? De Echo 2 à Echo 1, où est-ce que vous êtes? Ils ont bien de passer la carte. Echo 2, vous êtes aussi votre passe la carte. Je suis avec Echo 2 dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Il n'y a rien sur la route après. J'entends pas Echo 1, c'est normal, ils sont sous le feu, ils sont plus là. Ok. Tu les as entendus? Je les entends pas du tout hein. Là, c'est plus 3 les gars. Echo 1 ici, Echo 2, signalez votre position. Les gars prenez position dans la maison. Ok les gars, on a plus de contact avec Echo 1, il a totalement disparu. Ils sont morts?
Je sais pas du tout. Dans le coma. La radio est dans le coma. Ouais, 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 peut-être que chef des squads. Hein. Oui, les snow. À gauche sur la colline, je vois des mecs, mais je sais pas. Azimut, c'est... azimut, dis toujours son azimut parce que à gauche pour moi, je sais pas ce que c'est. Plein ouest ou plein est. Plein est. Plein est. À côté d'un rocher, il y avait. Ils sont armés. Donne ouais, mais je crois que c'était les nôtres. Par la gauche, on va avancer dans la colline. Donc nous, Echo 2, ça va être très très simple. On va aller en position sur l'officier CSAT, donc c'est pas, c'est-à-dire direction PNest. Donc vous allez me suivre. On va aller dans la forêt qui est juste sur notre gauche et on va aller sur le flanc gauche de l'officier de l'objectif officier CSAT normalement. Echo 2 en stand-by, on se met en route. Les gars, maintenez une formation. Ok, donc suivez-moi bien, on prend l'azimut pour repère, azimut 140. Plus ou moins, à peu près, un peu plus à gauche ou à droite de azimut 140. Mais Echo 2 se déplace aussi dans notre, dans notre direction, et on va avec eux ou pas? Echo 2 se déplace sur votre flanc gauche, mais ils vont quitter la forêt. Vous devez rester dans la forêt. Bien compris, comment? Donc les gars, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la forêt, hein. Donc on reste pas dans la forêt. La forêt, c'est Echo 3, c'est-à-dire escouade Apollo. Nous, notre rôle, ça va être de contourner justement cette forêt et de partir sur le flanc gauche de l'objectif, histoire d'apporter un soutien clair à Echo 3. Echo 3, vous allez sur le point de vue, vous allez sur le bord de la forêt. Non, c'est plutôt Echo 1 et Echo 1 ne donne pas de nouvelles non plus. Oui, non, Echo 1 sur la colline à gauche. Tout en restant sur la colline. Est-ce qu'on a des contacts? Stop, on fait un check des horizons. Bien compris. Par contre, j'ai pas vu le Orcad redécoller, donc à mon avis, il est toujours là. Il est où le campement? Il est juste devant nous ou ouais, je... juste devant nous, là. Ah oui, d'accord, ouais. Echo 2, pour QG, on a la position du Orca en enfin la dernière position connue du Orca en visuel à environ 500 mètres en face de nous sur la colline. Est-ce qu'on a l'autorisation d'aller enquêter ou pas? Non. Devons-nous le contourner? Echo 2 qui avance sur les flancs. Vous attendez d'abord Echo 3, terminé. Echo 3 en scout. Ok, d'accord. Bon, reçu, on va prendre la colline qui est juste à l'est du camp. Près 500 mètres de l'objectif. Ah, attends, je vais mettre un objectif. C'est ça l'objectif. Ok. Oh mon. Derrière. Ah, je suis baissé. Faut que tu me fasses. On engage. Mais on engage quoi? On va rien. Vas-y, Zidro, je te cours. Je sais pas. Bouge pas. Diag. Quoi? A droite, attention à droite, attention à droite. Putain. En face de vous, les gars. Il est en face. Juste en face de toi, Zidro, là, tu vois. Je peux pas, attends, je dois me sauver. Bien reçu, je vous vois. Ok, les gars, faites gaffe sur le flanc gauche. Il s'agit de Echo 3 qui est sur notre flanc gauche. Ne tirez pas sur le flanc gauche. Yes, no, il y a un moyen de nous revive. Yes, no. Les mecs, on est passé par là, il y avait personne. Et puis d'un coup, les gars, il y a 3-4 mecs devant toi. Je vois rien. Devant toi, mais reviens vers chez nous. On a besoin de couverture. Arrêtez de tirer, c'est nos potes. Mais sauf que Rap, c'est pas nous qui tirons, c'est Echo 1. On a mis notre position sur la carte. Je vois un. Ok, c'est bon, je suis prêt, tiens, bouge pas. Y'a un gunner plein. Vas-y, Esno, occupe-toi-en, je revive Zidro. Ouais. Ensuite, on va revive Bad. Je l'ai eu, Zidro. Ouais, tu l'as mis une belle balle dans la tête là. Ici, Echo 3, watch on shot. A un homme à terre. Je les ai eu. Putain, j'avais même pas vu le mec quoi. Ouais, ils étaient pas là. Ouais, mais y'avait personne, et puis y'a dans ses coups, tu vois. Merci. Y'a plus personne. Ok, Rap, reviens vers nous. On s'occupe de Bad. Il est dans le coma. Reviens sur la droite, ouais. Parce que du coup, ça a dû s'entendre ces conneries au campement en haut, j'imagine. Non, même pas. T'inquiète, ça va passer. Ok, bouge pas. Attention, contact. A droite. Où ça? Plein sud. T'es sûr que ça nous tire pas du campement directement?
J'ai vu la balle partir de plein sud. Un peu abusé le spawn gun dans le dos des alliés. Plein sud. Je peux pas te dire d'où ça venait, mais je sais que ça venait. Ouais, moi non plus, je peux pas te dire d'où ça venait, j'ai pris la balle en premier. Alors. Il semble que oui, mais on va. T'as pris une balle, t'as bien sûr. Ici Echo 3, on remet tout le monde sur pied et on se redéplace vers la direction. Y'a personne, je vois personne au cas où. Ici Echo 2, notre situation actuelle est qu'on a soigné tous les mecs qui devaient être soignés et on va se rediriger sur le flanc gauche. Un nouveau petit bandage au bras gauche et au bras droit. Je vois bien sur le flanc gauche, putain. Y'a encore un contact, les gars. Bon, on part sur la gauche, tout le monde sur la gauche en contrebas de la colline. Contrebas de la colline sur la gauche, on part tout à gauche. On se fait tirer dessus par le campement en fait, hein, c'est ça. On est à de nouveau. Ici, ici, venez ici, tous au rocher, tous au rocher. On va faire un petit. Mais. Kylian est touché, ok, il est sans doute tombé dans le coma. Ah non, il s'est pris une balle. Ouais, il est dans le coma. Ah oui, il s'est pris une belle balle. T'inquiète, je m'occupe de toi. Arrêtez. Avancez sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, quoi. Putain, donc, t'es focus, mec, quel officier, bouge pas, bouge pas, bouge pas. CSAT. Code 2, là, me sort pas que le mec il me voyait depuis le campement, quoi. Je veux dire, merde, y'a personne en face. Y'a personne de campement, je sais pas d'où ça vient. Y'a sans doute un sniper, quoi. Attends, ouais, j'ai. Je vois vraiment plus rien, quoi. Je vois flou. J'ai. Sous effet de l'ecstasy, c'est mal. Parce que t'as mal. Bon, là, c'est le bordel général en radio à toutes les squads qui ont besoin d'aide. Ouais. Attends, on va se débrouiller avec. On aurait des contacts sur la gauche. Tu vois clair? Ouais, c'est bon, parfait. Putain, mais. Faut qu'on se disperse. Le problème, ouais, il faut qu'on bouge, donc dispersez-vous sur la gauche. On se disperse tous sur la gauche. On reste en contact radio permanent, si on fait un rapport de statut toutes les 5 minutes. Si vous avez plus de rapport de statut, ça veut dire que le mec est dans le coma. On vient de finir de nettoyer les ennemis avec qui on avait pris contact. On a un homme. Je suis sûr qu'il y avait personne. Moi ça me choque qu'il y ait quelqu'un comme ça dans ce coup. Ouais, non, mais c'est un mec qui a spawn ça. Comment? Pourquoi nous animer? Mais c'est Echo, il était reçu. Pourquoi il nous canarde? Et je vois Sukeza, plein est. C'est où? Plein est? Ouais, c'est Echo, parce que regardez, ils sont là pas mal, c'est eux qui nous tirent dessus en fait. Mais oui, moi je me suis à peine avancé avec Zidro, on s'est pris une balle. Echo 2 et Echo 1, updatez votre point sur la carte. Merci. Non, Zidro, mets un point sur la carte. Oui. Oui, ouais, mais c'est Echo. On se tire dessus par Echo 1. Mais ouais, exactement, ils sont sur la colline. Ici Echo 3, on a pris position en bordure de forêt. Et bien, essayez de repérer tout hostile qui puisse s'approcher de l'objectif. Ils sont venus, on tire dessus avec des commandos, on a le soleil. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, hein. Par le soleil. C'est bon, personne n'a été retouché. Echo 2 pour Echo 1, est-ce que vous nous couvrez si on avance vers le campement en contrebas de la colline? Y'a un mec, y'a un gus qui court là. On est sur le point de se mettre en position, attendez 2 minutes et on pourra vous offrir. Bon, on attend 2 minutes et Echo 1, les connards qui nous ont tiré dessus pourront nous couvrir. On avancera directement face au campement. Ici Echo 2, on progresse vers l'objectif, on est à 100 mètres environ. Ok, Echo 3, vous pouvez commencer à flanquer par derrière. T'inquiète, on y est. On se cache tous dans le gros rocher qui est en face de nous et on attend des attaques. Passez derrière la base, Echo 3, je vous mets tout pour sa carte. Ok, tout le monde ici, tout le monde ici. Bon, ok, on va faire un débriefing. Okay. Contact. Ennemi à droite. Feu avanté. Là on est cassé, mais je les vois. Tu vois? Très prudent. Pour le moment, il nous voit pas. Ok. On passe par à droite, on passera par à droite pour attaquer. Allez, venez, par à droite. On vous met à couvert le plus possible.
On s'arrête. Rap. Arrête-toi. Ici Echo 2, on est en position à moins de 50 mètres de l'objectif en attente de l'attaque. Oui, il y a la tour qui est coin et vous commencez à rien leur faire encore. Bien reçu. Ok, on attend juste Echo 1 et on y va. On va lancer l'assaut par la Yorka. Ici Echo 2 à Echo 1, est-ce qu'on peut lancer l'assaut ou vous êtes encore en position? Comment m'avez-vous reçu? Ici Echo 1, on est toujours en position, on vous a pas vu Echo 2. Echo 2 et Echo 1, faites attention de ne pas tirer sur Echo 3 qui passe par derrière. On peut commencer l'assaut dès maintenant, c'est terminé. Ici Echo 2, on va passer par le centre, sur la colline du centre. On vous marque notre position et on passe à l'assaut, terminé. Echo 1 arrive par la gauche. C'est parti, à attaque. Attention, on a les snows à terre. Les snows à terre. Je m'occupe de toi. Couvrez-moi les gars. Fumigène, attention. Tu feras gaffe Zidrou, t'es en plein milieu du... Ouais, à droite, c'est les alliés. C'est les alliés à droite. Tiens, pas les snows. Echo 3, surveillez vos tirs. Echo 3, surveillez vos tirs. Ici Echo 2, notre position est à fumigène à côté du Orca noir. Je répète, notre position est à fumigène à côté du Orca noir. Ne nous tirez pas dessus. On y va? T'as encore des effets visuels ou pas, les snows? Je vois flou. Ok. Mais pas beaucoup, tu vois. Ok, normalement ça devrait passer. T'as des contacts à droite? Non, j'avais cru voir un truc. C'est bon, les mecs? Vous avez fini tout TK là? C'est des alliés à gauche encore. What? Wow, il est beau. C'est un mec ça? Ah non, il est mort. Ok, on progresse doucement, progressez doucement. Attention, c'est bon. Ok, alors stop, Rap, tu vas monter dans la grosse tour. Baladad à gauche. Et Zidro, tu me suis. Jasno aussi. On laisse à Echo 2 le soin de nettoyer la base ou est-ce qu'on doit les leur soutenir? Ok, sécurisé. Ah! Ah, salut! Oh putain! Ici Echo 2, on a de multiples contacts dans le camp. Personnellement, je suis dans la tour, je vais attendre. Est-ce que des membres d'Echo 2 peuvent venir dans la tour déjà un secourir Rap et de deux m'aider à sécuriser l'objectif? J'arrive. Tiens, cours Rap. Il est dans le coma ou pas? T'as Rap, cours maintenant, cours. Sors pas, il est en bas, je veux tirer là. Vas-y Rap, dis-toi couvert. Ok, je vois. Ok, putain, je le vois. Des renforts ennemis arrivent par l'arrière, je crois. C'est bon, il est mort? Ok, je suis sur le toit de la tour, je vais arriver par le toit de la tour, vous pouvez monter et sécuriser le reste, Rap, Desno, Zidrou. Zidrou, t'es où? J'ai pris une balle. Dans les bâtiments, faut éviter vos couverts. Ouais, ok, j'ai officier, il est sur le toit de la tour. Il est sur le toit de la tour et pour l'instant libre. Qui a une menotte? Zidrou, t'as une menotte? Non, j'ai pas de menotte. Quelqu'un a des menottes? Moi j'en ai pas. Négatif. Putain, mais. Alors, comment on le capture si on a pas de menottes? Non, j'en ai pas. Ici Echo 2, on a pas de menottes dans notre escouade. Est-ce que quelqu'un a des menottes? Ici Echo 3, j'arrive, j'ai des menottes. Bien reçu. Toi, t'as pas intérêt à bouger, toi, mon petit. T'as fait gaffe, dégagez la tour parce que sinon ça va bugger, on va se blesser. Au pire, les squads qu'ils menottent, elles surveillent la tour en même temps. Ouais, c'est ça, mais le problème c'est qu'on n'a pas de menottes donc j'ai demandé à Polo de venir. Il y a une espèce de petite tour à l'entrée. Kylian, je peux suggérer quelque chose?
On bosse toujours. Vu qu'on a un orcade libre, vous pourrez le prendre, non? Pour j'envoie sur l'autre site. Négatif, personne n'est assez bon. Personne n'est à des compétences qui rêvent de l'armée DR Zidro. Ok, commandant. You know what I mean. J'ai mon diplôme de vol en planeur. MDR. Bien reçu, il arrive dans approximativement combien de temps? C'est bon, tu as mis notre. Ah, merci, bah attends, tiens. Ouais, bah en fait, tu fais double insert sur le mec, tu fais capturer les prisonniers et hop. Et comme je disais, regarde, escorter les prisonniers, tu vois. C'est bon. S'il te plaît. Donc attends, je vais mettre à l'abri déjà parce que là, s'il reste sur le toit, il va se prendre un gros Ok. Est-ce que t'as entendu les ordres du QG? Non, j'ai pas entendu, j'étais occupé. Qui arrive très très rapidement. Le chico est armé en plus et de mettre au sol, donc écarte le jusqu'au sol. Tu veux que je stoppe escorte et que je mette au sol? Non, tu prends avec toi et tu le déposes en bas de la tour. Redeco vient le chercher. En bas de la tour, ok. Ouais. T'es d'accord. Si on peut pas l'utiliser, l'hélico autant le rester dans la tour pour surveiller les entours. Echo 2, Echo 3, protéger le. Echo 2, vous restez dans la tour. Un hélico à répète, Echo 2 reste dans la tour. Attention, passez pas plusieurs dans l'escalier. Tu laisses le. Par contre, ouais, là, ça va être. Tu laisses la tour avec le. Echo 2 dans la tour, le reste, restez tout autour. Il doit sortir et défendre la position. Allez, vite. Mais on va attendre jusqu'à ce qu'un hélicoptère arrive. Vous défendez la position prioritaire absolue de défendre l'officier. On va le mettre ici, officier, c'est bon. Cover. Oui, en cover à tour. Echo 2, cover à tour. Il est mort le mec qui tirait. L'officier, on peut le mettre dans l'hélico au pire. Oh non, non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça allait bugger, c'est pour ça. Je vais te checker. Juste Echo 2 dans la tour, les gars. Putain, aïe. Désolé. Ah, mais aussi, tu passes en même temps. Ils sont où? Alors apparemment ça viendrait de l'azimut plein ouest. Plein ouest, il devrait y avoir des contacts apparemment. Il y a un hélicoptère en approche en vol par le nord. Négatif, il y a nous, tirez pas dessus. Ok. C'est le Ghosto qui vient récupérer Ok, les contacts plein ouest, ils sont morts. Ouais, ah, mais là, il n'y a plus de contact. Il y a plus de contact. Je l'ai vu. Il manque quelque chose, attends. Non. Oh, il y a des. C'est un hélico magique, Matt. Excusez-moi, pour être d'automne, on va voir ce que vous avez et concentrer votre dernier objectif. Ici, Echo 2, bien reçu, QG. Echo 3, bien reçu. Echo 1, bien reçu. C'est bon, tu peux décoller, il est parti. Il est muet. Ici Echo 2, le prisonnier est sécurisé et dans l'hélicoptère. Monsieur Reed, comment allez-vous aujourd'hui? Je pense qu'il peut décoller. Vous êtes muet? Vous êtes sourd? Zidrou, viens ici. Ouah. Quels sont les ordres pour Echo 1? Ok, Echo 1, dirigez-vous du côté de la forêt, je vous attends pour ce qu'il y a. Echo 2, regroupement sur moi. Echo 3, on va sur le. Un peu tous les gars. Bah là, il est parti le mec. Hein. Adieu. Je t'ai un bon terroriste. Je t'aimais. Ta gueule, c'est. Et Kylian, on vous a jamais tiré dessus. Ah ouais? Mais c'est qui? C'est jamais. Qui? Ça venait de votre position, les gars. On a vu la balle partir de la colline. Bah oui, c'est normal, il y a un mec qui est arrivé, il nous a tiré un peu de fou, on l'a allumé juste après. Si comment tous les squads, j'ai oublié les points sur la carte. Il est arrivé justement du côté où vous êtes connecteur. Et il a un peu d'avancer ici, on a plus beaucoup de temps. Allez.
Echo 2 se met en route où, Suki? On est en position. Ok, bon, Echo 2, Echo 2 et 3. Echo 2, on se met en route, on va sur la route située exactement azimut 240. C'est parti. Je pense que force ennemie réduite, 30 km de la bombe est assez faible, vous avez bien fait le ménage, donc vous pouvez y aller plutôt sereinement. Terminé. Selon le QG, il paraîtrait qu'on a bien fait le ménage, donc on peut tenter une approche plus sereine que celle qui était prévue au briefing apparemment. Sur le lieu de la bombe, dans mon axe. Camion, attendez. Le 2 est en soutien apparemment sur ma droite. Visez les roues les gars, visez les roues. Il a peut-être des fournitures de l'hôpital. Tirez plus. C'est bon, il est immobilisé. Je ne peux pas confirmer. Attends, feu. On subit des. Le mec est descendu, il est derrière. Comment j'ai besoin de fournitures médicales. Attends, quoi? Attends, bouge pas. Non, mais il y en a dans le camion, c'est un truc médical. Ah, d'accord, je pensais que j'ai besoin. Non, mais attends, écrime-toi bien. Non. Moi, je pensais que t'avais besoin d'être soigné, c'est pour ça. On se trouve dans le camion. Ok. Bon bah, ok, on continue d'avancer, Echo 2. N'inquiète pas, il y a 3 escouades qui lui foncent dessus, je pense pas qu'il va se barrer comme ça. Dis-leur de pas le faire péter parce que... Ok, pas de soucis. On avance jusqu'au camion, hein, les gars, jusqu'au camion. Si tu veux aller te ravitailler, vas-y, n'hésite pas. Je pars dans longue portée, Polo. Ici Echo 3, on est au camion médical, on se ravitaille. Bien reçu, Echo 2 ravitaille vous aussi, et il paraît que vous avez besoin aussi de ravitaillement. Si Echo 2, bien reçu, on se ravitaille. Vite, de la morphine, on pourra faire de la contrebande. Echo 1, avez-vous besoin de ravitaillement médical? Mission d'abord, c'est connard d'aller vite. Non. Pas encore à la fin de la mission, bah. Mais non, mais j'éteins le moteur, je peux pas. Mais... le mec, le camion est rouge, il est rouge. Dites-moi si vous êtes. Ouais, c'est bon, j'ai fait le plein. Le bandage. Ok, on y va. Son incompétence. À droite, tout le monde à droite. Ok, stop. Ici, quoi, on est en position pour l'objectif. Non, on est pas du tout sur l'objectif là, Kylian. Ouais, non, mais d'accord, non, mais on sait jamais, ça aurait pu être un truc comme ça. C'est là au-dessus, c'est il y a le château. Ah oui, d'accord, ok. Attends. Château, ah oui, d'accord. Voilà, ça. Ok, on continue d'avancer. Restez bien dans mon axe, hein, les gars. Restez bien dans mon axe. La bombe se situe sur des ruines, hein, pas sur citerne. Ok, Echo 3, avancez sur le flanc gauche de la route. Echo 2, avancez sur le flanc droit de la route. C'est moi où il y a un contact en face? Corinne, ouais, il y a sur la carte, ils ont marqué qu'il y avait des ennemis. Très bien, je vous donne un nouvel objectif et quoi? Kylian? Oui. J'enlève mon silencieux, ça m'empêche de tirer droit. Attends, garde pour l'instant. Dès qu'on sera à l'attaque du château, tu pourras le retirer, mais pas avant. On sait jamais pour les comment dire. Pour les mecs qui sont sur notre gauche. Et avoir un bon point de vue sur l'objectif. Mais là, on a aucun couvert, hein. Il est comique. Ah, attends, peut-être. Ok, stop. Allez, ici. On a une station en face de nous et une autre cabane aussi sur la gauche. Et je vois personne. Yes, no. Sur la cabane à gauche. Oui. Plus en hauteur, il y a un mec. Ah. Ouais, je le vois. Mais l'autre section est là-bas. L'objectif est sur une colline assez en hauteur comme ce qu'on a attaqué. Venez. Un point assez plat dans lequel, par lequel on peut attaquer facilement. Je voulais un 240 pour que la plupart des squads attaquent par là. Azimut 240, bah. Ouais. Azimut 240. Du côté de la forêt. Parfait. Bah, on va s'arrêter sur le petit flanc de Coin. Si vous voyez des mecs qui par hasard
nous riposte. Vous avez autorisation de tirer dessus, alors on va se mettre là. Ok, tout le monde ici. QG, doit-on sécuriser la zone où vous avez marqué ennemi sur la carte? On a espéré, il allait se mettre derrière la cabane. Il bouge. Tirez. À terre. Il y en a un autre derrière en haut. User left your channel. Doit-on aller sécuriser la position? On a éliminé plusieurs ennemis, mais apparemment il en resterait un ou deux. Quelle position que vous voulez sécuriser? Ah, j'aurais dû filmer ça, c'était beau. Rapide, il a allumé le deuxième, mais comme à pas. Oui, c'est. On attend. Faites gaffe, les gars, vous stackez pas trop parce que là, ils sont montés une petite rafale sur la fesse. Écoutez, quoi, essayez de voir. On va à gauche. Écho 2, et éditez vos points sur la carte, ça permet de. C'est pas une station, ça, c'est. Ouais, mais demain, on aurait dit une station aussi, donc. Petit, ça s'accroît des chronomètres de l'équipe. Oui, j'ai vu ça. Va aller pisser. Vas-y, fais-toi plaisir. On peut pas ouvrir les portes, ça, celle-là. Ouais, faut payer. Hein. C'est moi ou... Non, j'en ai. Bon, je pense qu'on va se mettre en progression vers le château. Je vais demander 2 secondes au QG, couvrez-moi. On a peut-être tué la dame. QG, ici Echo 2. Est-ce qu'on se dirige vers le château? Echo 3 est actuellement au contact sur la gauche, ou je ne sais pas comment ça se passe. C'est Echo 1. Echo 3, il devrait rester un ou deux ennemis. Non, action, c'est bon, on y retourne. Donc en fait, c'est simple, on va avancer du côté PA du château avant d'attaquer. Donc dès qu'on sera du côté PA, vous aurez l'autorisation d'enlever vos silencieux pour attaquer. Si ça vous fait plaisir pour le dernier point. Oula. On se décale à droite. Mortier. C'est à gauche, les squads et les alliés, ils regardent bien en chier. On se décale à droite. J'entends aucun tir à gauche, Dan, donc je peux pas te dire. C'est du mortier. Bah juste avant, ça a tiré en fait, donc... De quoi, Sidro? Il y a peut-être un mortier sur zone parce que là c'était certainement sur zone. Non, ça doit être un lance-grenade à mon avis parce qu'on aurait entendu un bruit sinon du. Mais justement, on a entendu un bruit qui vient. Et t'as entendu un bruit qui venait du ciel? Bah, j'ai entendu. Non, moi j'ai entendu juste boum et pas chup. Ça ne veut strictement rien dire. Top. On va se montrer au château si on va passer par à droite, sur les rochers à droite. Les gros rochers à droite. Ouais, on va rester ici. Zidro, tu nous signales la position de Echo 2 sur la map. Ouais. Signaler en radio. Ici Echo 2 à toutes les escouades, on est à 200 mètres du château sur un côté PA à côté d'un immense rocher. Donc on attend les ordres et vos positions. On vous marque notre position sur la carte. Vous êtes en position, vous êtes à combien de mètres environ? Je vous l'ai fait. Bien reçu. Echo 1, faites jonction avec Echo 2. Là, les gars, on va faire jonction avec Echo 1 normalement. Si vous les voyez, vous me dites. Qui c'est? Où ça? Echo 3, quelle est votre situation? Où ça? Je la pompe pas en bas à côté de la route. En bas à côté de la route? Ouais. Y'a un mec? Ouais, y'a Sukeza. Ah oui, non, mais c'est Suke aussi, ça. Ah! Je sais pas, il dit. Tu sais, c'est le chef d'opération, mais le mec il se balade tout seul, les mains dans les poches là, tu vois. Pour un garde du corps quand même, enfin, un aide de camp. Ah oui, je le vois, il marche comme un teubé en plus, regardez. Où ça? L'escouade 1 arrive juste derrière nous. Ah oui, je vois aussi. Attends, il tire sur qui? Salut Matt. Commande. Bonjour. Ah ouais, il tire. Je ne sais pas si je peux te qualifier de fou. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, demande-lui. Ça tourne, ça tourne. On prend le deuxième silence. C'était une gonzesse, mais des potes, ils ont poussé autour des autres. What? Ah, la radio, putain. Luna, là, ça fait mal. C'est où, Menichon, Matt? Ici Echo 2, on vient d'effectuer la jonction avec Echo 1 en attente des ordres. Attendez tous, Echo 3 qui fait en position. Ensuite, je vous donnerai l'ordre. Bien reçu, ici Echo 2, on attend d'ordre. Ok, Echo 3, commencez à avancer sur le flanc gauche du côté plat. Si vous avez découvert, vous pouvez vous mettre derrière. Ok, Echo 2, écoutez-moi bien, on va pas tarder à avancer, donc nous on avancera à gauche. Matt, si tu vas avancer sur la droite, je t'en prie.
Et l'autre, la section au-dessus de nous, ils font quoi? Ils sont en position et ils vont nous attendre. Ok, il y a la section à droite. Je vois, je vois une section à notre gauche, Kylian. Ok, ok, bah parfait, parfait. On avait bien senti du coup que... Parfait, Echo 2, Echo 1, vous pouvez commencer. Ok, on y va, les gars, Echo 2, Echo 2 en avant. Ah où? Ah où? Si jamais vous voulez enlever votre silencieux, les gars, c'est le moment ou jamais. Bon, je vais faire. C'est fait. Hop là, c'est parti. Bon, surveillez bien les TK, vous avez pour cible d'engagement le feu avanté. Hein. Donc tirez si vous voyez quelqu'un qui vous semble hostile. Et hésitez si c'est un allié quand même, hein. Essayez de pas faire de TK. Où en est les squads d'ingénieurs? Non, c'est bon. Non, bah évite parce que c'est le site où peut se contenir la bombe, alors si tu lances des grenades. Ah, techniquement elle est déjà protégée, si elle est pas lancée. Ouais, mais bon, quand même, une grenade ça fait boum et. Ah merde. Echo 3, surveillez vos tirs. Je vais prendre soin de toi. Approchez pas des ennemis. On a compris, on a droite. Bouge pas, Lesno. Tu vas avoir ta famille, je te le promets. Ok, merci. Reste avec moi, Lesno. Fais gaffe, okay. Quand tu te lèveras, ils sont juste. Bah, il y a un casque ennemi hein, juste en face de nous, tu vois. Allez, laisse-moi, reste avec moi. Sur le mur, un casque ennemi. Putain, laisse-moi. Ça, j'arrive pas à voir. Ok. À gauche, là, tu vois, regarde. À gauche, là, sur le mur, juste en face de moi. Ils sont juste devant moi, à 5 mètres. T'as vu ça? Qui est au sol, là? Ok, je vois, j'y vais. Ah non, c'est eux, merde. Attention, bah, sur la droite c'est des alliés, sur la droite. Okay. Sur la droite c'est. On peut commencer à progresser là. Ok, j'ai pas de... À gauche c'est bon, personne. Allez, hop. Ils sont morts, on fait quoi, ils sont morts. Chargeur. C'est bon. T'as besoin d'un chargeur? Je change de chargeur. Ok, Echo 2, continue d'avancer sur la position. C'est bon. Ça va? On t'a pas trop tiré dessus sans vous voir? Vous avez failli, mais... Ouais, parce que c'est moi en fait, désolé. C'est ça, la conteneur de PD? C'est... Bah attends. Echo 3 a perdu son medic, non? Aucune idée, Zinro. Bon bah les gars, je crois que le site de la bombe est sécurisé apparemment, donc écoutez, prenez position et attendez les ordres. Acquisition de la bombe ou pas? Ici Echo 1, oui, on confirme, on l'a devant les yeux. Ok, bien fait, regroupement sur le site, hélico, on approche 3, évacuation, terminé. T'as la bombe, t'en fais voir. Bah en fait, c'est de la merde. Ah oui, d'accord, ouais, c'est des launchers quoi. Ok, d'accord. Oui, mais c'est des lance-roquettes nucléaires, attention. Ah oui, des lance-roquettes nucléaires. Squad d'Echo 2, je vais aller voir si Echo 3 part. Le truc qui est pas dangereux, c'est que t'as l'allumineuse nucléaire sur ton épaule, quoi. Au calme. Putain, t'es tout con, en fait. Oui, bah en fait. Ok, les gars, on attend l'extraction de l'hélicoptère et on pourra rentrer à la base. Demande au QG si le satellite ou les drones voient des ennemis qui convergent notre position. Ouais, je te dis ça. Peut-être. Il n'y a plus personne autour de la zone où vous êtes. Bien reçu. Non, il y a plus personne, Baladan. Ah, c'est notre moyen de transport. C'est notre moyen de transport. Tirez pas dessus. Défoncez. Non, tire pas dessus. Ok, j'ai des hélicos en vue, j'abats. Un bateau. Une attaque. C'est quoi? Ah. Ils sont deux, ouais. Deux hélicos. Trois. Il y a trois hélicos. Trois hélicos. Oh, mmh. On déploie les grands moyens. Oui, bon, on réussit à n'importe quel. Oui. Je me suis posé une question, on était pas censé avoir genre une équipe d'ingénieurs qui était censée les amorcer. Oui, je crois aussi, oui, mais t'inquiète pas, ils vont venir. C'est censé être genre, mais en fait, on a débarqué, c'est ça. Il y a un mortier qui nous tombe dessus, on est tous morts. C'est ça.
De toute façon, il y a un bon contrôleur, donc si ça tombe, je peux aussi. C'est ça, on s'en prend. Mais tirez pas sur les hélicos. Tirez pas sur les hélicos, vous êtes fous. Bon, allez, à extraction, écho 2. C'est peut-être des zombies. Extraction. Moi, je veux voir. Écho 2, prenez celui droite, à droite, à droite, à droite, tout le monde à droite. Ouais. Allez, tous ensemble. Ah, parfait. Au calme. Yo les mecs. C'est bon, tout le monde est là. Tout le monde est là. On est 5. Ok, parfait. 4. On est 5. Bon, bah les gars, écoutez, c'était une belle mission. Là, ils ont une banquette pour deux, alors que nous, on se sert à 4. on peut sauter en parachute. Bon, ça allait quand même cette mission, hein. Ça va. Ah, c'était long, putain. C'était long, ouais, mais ça va quand même. C'était intense. Oui, 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 en fait, au début, on a pas du tout fait ce qu'il fallait. Oh, bonjour. Bonjour. Ah, ouais, je bonjour. Qui êtes-vous? Non, pas Matt, pas Matt. Matt, moi je sors de ce hélico là. Tu peux rester là, alors il y a plus de place dans l'autre. Ok. Il y a 4 hélicos, attends, on va déployer les convois. C'est l'armée américaine, mon gars. Ouais, c'était. L'armée américaine qui s'est fait voler une bombe nucléaire par 3 terroristes, bon, voilà quoi. Mais non, mais c'est l'Iran. C'est l'Iran, ils ont construit des bombes nucléaires. On se crève. Vas-y, Drew, Ouais, tu te recoiffes quoi en fait? T'as pas de cheveux? Y'a un coup, ça barre. C'est ça. Ben, c'est pas qu'il a pas de cheveux, c'est qu'ils sont descendus au niveau de son menton en fait. Ben, c'est infernal, ça pousse même sur le. Donc, je peux le raser tous les jours. Ah, c'est génial, les gars, bien joué, bien joué. Good job.